est déjà en route depuis 1h30 à peu près. On a la moitié du trajet. On attend notre Shinkansen. Bon, c'est sur une toute petite durée parce que je crois qu'on reste dedans 25 minutes. Et je veux vous le montrer quand même. Il y en a qui sont magnifiques, mais magnifiques. On peut aller à la gare de Tokyo. On se met sur le rail des Shinkansen. On attend qu'ils passent tous. Il y a vraiment des pépites. Aïe, 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 pardon, désolé. Aïe, 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 aïe. Après trois trains, dernière étape, un bus de campagne. Mais c'était à 200 mètres de la gare. C'est très proche, hein. Mais il n'y avait aucune indication parce que c'est en pleine pampa. Et une fois qu'on a trouvé où était l'arrêt, il y avait une pente. Mais une pente. On est un peu au nord de Tokyo, du coup. C'est déjà un peu plus rouge. Allez, une demi-heure de trajet en bus. On dépose les valises à l'hôtel. Et on vous reprend pour vous dire où on est et vous donner quelques petites explications. Après trois trains et un bus, on est arrivé. C'est... En soi, le trajet, ça va, les changements, ça nous gêne pas. C'est des fois, quand faut monter les marches avec les valises et tout, c'est pas évident, des côtes, c'est... Voilà. Mais bon, on y est, c'est génial. Donc, on est à Kusatsu Onsen. Je vais tourner la caméra. J'espère que vous m'entendrez mieux. Ça sera plus sympa que vous voyez un peu les alentours pendant que je vous parle et que je vous explique, que je vous parle un petit peu de la ville. Du coup, c'est une petite ville thermale située au nord-ouest de Tokyo. Il y avait plus direct pour nous. On pouvait prendre un bus qui mettait 80 minutes pour arriver ici. C'était payant, c'était pas très cher. Mais comme on a les JR Pass, on a préféré faire le trajet en JR. Donc en fait, on n'a rien payé de plus que nos tickets JR qu'on avait de base. Je me suis trompée de chemin, je fais demi-tour. Alors ici en fait, Kusatsu, ça dispose de la plus importante quantité d'eau de source chaude naturelle au Japon. L'eau est environ à 55 degrés et il y a un taux d'acidité qui est très élevé. Donc, ça en fait que l'eau de Kusatsu serait capable de guérir bon nombre de pathologies et particulièrement bénéfique pour la peau. L'emblème de la ville, c'est Yubatake, c'est ça? Yubatake? En fait, au sol, il y a des plaques qui sont gravées dans le sol, ouais, et qui indiquent par où c'est. Ah d'accord. Donc on va y aller tout de suite, comme ça je vous en parle quand on est devant. Déjà, pour vous dire la différence tout de suite, parce que c'est vrai que je crois qu'on ne vous l'a jamais dit. Yubatake. Ah ouais, mais on est censé savoir lire ça? Bah moi je sais lire ça. Ok, donc on est dans la ville des Onsen, mais je vais vous dire tout de suite la distinction entre... Bah, notre hôtel est là. Il nous a donné, déjà donné les clés, mais il nous a dit de ne pas, de pas revenir avant 15h. Quoi. Donc, Parce que Isa, elle nous a dit, elle m'a dit, il faut aller là. À oui, Futabaya. À Futabaya. Oui, sauf que c'est l'hôtel, ça. Ça, c'est l'hôtel, Futabaya. Non, mais nous, il faut aller à Yubatake. Ah, pardon. Ah oui, on allait tourner en rond longtemps. Pas surtout moi. Et regardez bien les couleurs ici, c'est déjà magnifique, au fait. C'est magnifique, 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 avec le momiji, là. Donc, le onsen, en fait, c'est un bain thermal japonais dont l'eau est issue de sources volcaniques. Donc, c'est une eau très très chaude. Ça peut aussi bien être en intérieur qu'en extérieur. Le plus souvent, c'est commun, hommes et femmes. Et forcément, faut être tout nu. À ne pas confondre avec le sento, parce que le sento, en fait, c'est un bain public traditionnel, mais c'était utilisé, en fait, avant l'arrivée de la salle de bain individuelle. Donc, en gros, pour faire vulgairement et en trois mots, le sento, c'est pour aller prendre sa douche, et le onsen, c'est pour se relaxer dans les eaux de source volcanique. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc là, on va se diriger au centre, parce que c'est le point principal de la ville, et c'est pour ça qu'on fait tout ce périple. Donc vous allez voir. Mais on y retournera de nuit parce que ça a l'air magnifique de nuit. Je précise que là, c'est une session que Isa a voulu. Oui, ça c'est moi. C'était avant,
avant notre destination finale, avant de rejoindre Tokyo, je voulais passer ici. Ça nous fait des énormes détours parce que demain, on va avoir un périple de dingue du matin au soir. On sera dans les transports, mais du matin au soir, hein, littéralement. Et ça, ça nous rajoute à peu près 2 heures de détour. Mais on s'est dit, bon, c'est l'occasion ou jamais. On a vu avec Mathieu, il a dit, ok, on y va. Donc, on y va. Mais Mathieu, il dit toujours ok. Donc, regardez, il y a plein de petits bains qui sont situés. C'est ça l'odeur ? Ouais, là ça sent l'œuf pourri. Ah, non, ça sent là pas l'œuf pourri, ça sent l'œuf dur. Non, ça sent l'œuf pourri. L'œuf dur, tu sais, mais que t'as bien laissé dans ton sac. Ah bah l'œuf pourri, donc. Ouais, non, c'est vrai. Ouf, c'est vrai. Mais attendez, on va vous montrer, je vais vous approcher déjà. C'est où le truc principal ? Attendez, je vais déjà vous montrer ici, regardez. Et ça, c'est à disposition pour tout le monde. Hein. Vous mettez vos pieds, du coup, dans l'eau chaude. Regardez, je vais pas trop montrer les jambes, regardez. Oh, je vous jure, il y a une odeur. Mmh. Une fois que je vous aurai parlé du point principal au centre du village, je vais vous parler des deux spécialités culinaires de la ville. Je vais lire mes petites notes en se dirigeant aussi, mais il faut savoir que la mairie, elle gère plusieurs onsen qui sont donc publics. Ils sont plus petits, il y a un seul bassin, mais les hommes et les femmes sont quand même séparés. Ils disent en fait d'en tester plusieurs parce qu'à chaque fois, c'est une ambiance différente. Donc vous avez des cadres vraiment totalement différents. Par exemple, il y en a qui sont entourés de bois et placés sous une grande tour, donc ça donne un effet cathédrale à l'intérieur. Un autre où il y a la température qui sont beaucoup plus élevées que d'autres onsen. Un autre où il y a des petits bains-pieds qui sont installés juste devant. D'autres où c'est les plus grands de la ville, d'autres qui sont excentrés mais les bains sont à température différente et en enfilade en sous-sol, donc vous pouvez en tester plusieurs au même endroit. D'autres qui sont dans un parc, donc c'est un petit peu plus loin mais vous êtes dans un cadre forestier, enfin bref, il y a de quoi faire. Du coup, tant qu'on y est, je vais vous parler des deux spécialités. Le onsen manju, c'est un petit pain sucré cuit à la vapeur, et je pense que c'est ce qu'on a senti tout à l'heure parce que ça sentait vraiment la pâte à pain. Oh, et l'autre spécialité, c'est le onsen tamago. Donc en fait, ce sont des œufs bouillis dans les sources d'eau chaude directement. Donc ça serait bien qu'on teste ces deux petites spécialités. Si je ne dis pas de bêtises, les petits bains de pied comme ça mis à disposition, ce sont des hachiyu. Et maintenant, direction le Yubatake, en plein centre de la ville. Parce que je dis village, mais c'est une ville quand même. Pour ceux que ça intéresse, les bus, parce qu'on avait vu dans des bus à Kyoto qui disaient que les gens n'avaient pas le droit de monter avec leurs valises. Ils devaient soit prendre les trains, soit prendre un taxi. Et on s'est dit, si là ça nous fait pareil, mon Dieu. Et non, en fait, parce que c'est pas vraiment des bus, ce sont des cars. Donc ils vous ouvrent les soutes pour mettre vos bagages. C'est bon à savoir. Parce qu'à un moment, on s'est dit, attends, ça se trouve, on va nous recaler. Par contre, je vous avoue que pour prendre le car, là, la montée raide. Entre la gare de... Oui, faites attention. Entre la gare de Gumaotsu. Ouais, à la gare de Gumaotsu, si vous vous arrêtez, comme nous, ici, et que vous prenez le bus, attention, la montée, elle est très, très raide. Donc, attention. C'est-à-dire que vous êtes seul et en fauteuil roulant, je pense que vous ne montez pas. Surtout qu'ils me disaient, vite, on va le rater. Si on le rate, C'est-à-dire... Oui, parce que... C'est des campagnes, donc il y en a un toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Donc on peut pas le rater. Ah, c'était ça. De quoi? Quand tu m'as dit on est dans la... Moi je me suis dit ça y est, tu m'as dit oui non, c'est fini, on est bloqué. Donc moi je me suis dit c'est bon, si on le rate, en fait on est là, comme des papins. Ah non, parce qu'au pire t'auras appelé un taxi, hein, c'était il y a une demi-heure. Donc, mais non. C'est pour ça. Mais sinon on aurait attendu 2 heures. Je me suis défoncé le dos pour ça. Eh, par contre la ville ne fait que ça. Hein. Tac, 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 tac. Oula! Là, je viens pas avec les valises. Oulala! T'es sûr que c'est par là, hein, qu'on remonte pas pour rien? C'est par là? Regardez toutes ces couleurs là. Je sais pas si on se rend compte en GoPro. Mais il y a vraiment du vert, du jaune, du orange, du rouge. Sur plein de nuances différentes. C'est super beau les couleurs. Magnifique. Même là, toutes les couleurs dans le même arbre. Oh, c'est splendide. Moi qui disais non, je crois que je préfère quand c'est vert. Non, mais pas du tout en fait. C'est splendide. Ah tiens, ça monte. Oh. C'est très très mignon. Après avoir tourné en rond dans une mini-ville, on y est enfin. Donc je vais vous en parler là et après j'essaierai de vous avoir un point de vue plus haut. Comme ça il y aura une meilleure vue d'ensemble. Je vais me décaler. En dessous. Regardez. Alors, on va se mettre ici.
Voilà. Donc là, on est au Yubatake. L'odeur, c'est pas pire que dans les petits bassins. Je pensais que ça serait beaucoup plus puissant, mais non. Bon, je vous ai enregistré les explications en vous tournant par là-bas, mais il y a beaucoup de vent et beaucoup de bruit à cause de l'eau. Donc je vais refaire les explications une deuxième fois vers ici, au cas où, pour être sûr que vous m'entendiez et pas qu'on arrive dans la chambre et qu'en fait vous aviez rien entendu. Du coup, alors attendez, je vais retrouver les notes. Nous sommes à Yubatake, qui signifie littéralement champ d'eau chaude. Donc c'est un immense bassin fumant en plein centre de la ville. Tout autour, il y a des ashiyu. Donc ce que je vous ai montré, je vous remets les images, ce sont des petits bassins pour les pieds. L'eau est transportée de la montagne à Yubatake, enfin de la montagne à ici, via des canaux en bois et en verre. Il y a beaucoup de Japonais, notamment des Tokyoïstes, qui viennent ici le temps d'un week-end pour se reposer et se relaxer. Voilà, et donc en fait c'est en forme de rectangle. On va monter pour avoir un meilleur point de vue. Et la nuit, tout ça s'est éclairé, donc apparemment, parce que j'ai vu des photos, ça a l'air très très beau. Bon, entre les photos et la réalité, on verra ça ce soir. Et donc la nuit ici, oh ouais, c'est très chaud, bah regardez la fumée. Ici le soir, les gens du coup qui ont des hôtels et tout, ils sortent en yukata, les chaussons et tout, pour se promener, faire les bains de pied, tout autour là. Tout autour du bassin principal de la ville. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici. Là on est à l'autre extrémité. Je vous reprends par là pour être sûr que vous entendiez bien. J'aime beaucoup cette ville, enfin, on vient juste d'arriver, mais à part de temps en temps l'odeur des œufs, je sais pas, j'aime bien ce qu'elle dégage et tout, beaucoup de trucs de bois, ça fait très, très ancien, très traditionnel, très, très authentique. Regardez les bâtiments. Ne me dites pas que ça là, c'était notre hôtel, qu'on avait juste à descendre ça. Et qu'on a fait 18 fois le tour de la ville parce que Google s'est trompé. Attends, je vais te dire. Non mais je vous jure, on est là. J'ai vraiment l'impression que c'était l'angle où on vous a dit que ça sentait bon le pain. On était juste là. Notre hôtel, c'est là. C'est-à-dire ? C'est là, à l'angle où tu tournes. Oui, donc là, c'est bien la boutique qui sentait bon le pain. Ceci était une blague. Non. Je savais qu'on est, on a marché. Je vous jure qu'on a marché 20 minutes dans les pentes comme ça, alors que c'était là. Je ne suis pas... C'était là. Je ne suis pas actionnaire de Google, donc c'est pas pour les défendre. Mais on te le dit que ça marche pas, Google. Mais je n'ai pas renseigné cette adresse, en fait. Bah t'as mis quoi ? Moi, j'avais mis une rue là-bas. Mais pourquoi ? Ah bah, pourquoi ? Parce que sur le plan qu'on nous a donné... Ouais. Je vois ici que ça, là, qui nous a conseillé... Non, c'est ça qui nous a conseillé. Ah, bah, où je voyais Yubatuke machin... Oui. C'était à Takisha Dori Street. Oui, d'accord. Donc moi, j'ai mis Takishida Street. Bah oui, mais c'est pas ça qu'on cherchait. Ça nous emmenait bien là-bas. Bah oui, mais c'était pas ça qu'on cherchait. Ah non. D'accord, ok. Donc c'est ma faute à moi. D'accord. Ok. Mais si j'avais eu mes photos, ça serait pas arrivé. C'est quoi ? Ah oui, bah oui, oui. Là, on va monter pour voir. Je pense que c'est le temple des Kusatsu qui est ici. Et encore des marches. Je vous ai pas précisé, mais il y a aussi des boutiques d'art et d'artisanat pittoresque avec des objets en verre trouble inspirés des eaux. Allez, regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais aller voir le temple et après on ira se chercher des petites spécialités et on se posera ici au soleil pour manger. On va être très très bien. Ah, ces bâtiments en bois, c'est magnifique. Oh, et il y a un monsieur qui m'a interpellé. Un monsieur japonais d'un certain âge, il a vu que je parlais français et en fait il a travaillé à Paris dans les années 80 et son bureau était juste derrière l'Opéra Garnier. C'était chouette, du coup on a un peu échangé et il adorait les huîtres en France. C'est vrai qu'elles sont meilleures que Japon. Regardez. Qui c'est qui va grimper ? C'est nous. Je pensais que c'était fini. Mais que nenni. Mathieu il m'attend en bas, du coup il monte pas. Il a mal à la jambe, ou au dos, je sais pas. Ah, vous voyez bien le Futabaka Yukatabu. Ça. Il n'y a pas grand monde, je trouve. Peut-être parce qu'on est arrivé tôt en ville, entre 11h et 11h30. En sachant que du coup, bah, tous les gens qui faisaient leur check-out sont déjà partis.
Et tous les gens qui font leur check-in ne sont pas forcément encore arrivés. Du coup, c'est pas mal. Je suis un peu plus longue du coup parce que comme Mathieu vient pas, je vais m'occuper de la GoPro, des Insta, mais aussi faire des photos souvenirs quand même pour moi. Et voilà, nous sommes au Kōsenji, si je ne me trompe pas, le temple de Kusatsu. Kōsenji, le temple de Kusatsu. Regardez comme c'est mignon. Et il y a aussi une magnifique pagode. Alors elle n'est pas ici. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas accessible par contre. J'ai l'air maligne à filmer avec ma GoPro dans une main. Le téléphone de l'autre. On se dit, mais pourquoi elle fait tout en double celle-là? C'est très beau, hein? Alors, même si c'est un petit périple, je ne regrette absolument pas ce détour de plusieurs heures. Je ne peux que vous recommander Kusatsu. Vraiment, c'est splendide. Et encore, on n'a pas vu encore de nuit. Hein. Allez, bonjour Mathieu. Et pour petite info, tout à l'heure, on va aller voir ça. Attendez, je vais essayer d'arriver derrière Mathieu. Attendez. Ça, je vais essayer de lui envoyer une photo. Regardez. Je vais lui envoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en doutais que tu ne les avais pas envoyés par bonté de cœur, mais que tu me filmais. Ah bah, je les supprime alors vite avant que tu les enregistres. Non, là-bas. C'est magnifique là-haut. C'est ultra beau. Ah ouais, ouais. Vous confirmez, non? Franchement, c'est ultra beau. Je vais les mettre sur Instagram. Bah, je verrai ça dans les vidéos. Franchement, j'ai ma jambe. Ah, j'ai froid. Regardez les bains. De pied, hein. Est-ce que je peux filmer les gens? Je pense pas. C'est un peu délicat. Non, allez, regardez. Et là, l'eau? Ouais, elle est chaude. Pas bouillante, hein, mais elle est chaude. Donc forcément, je me suis mis en t-shirt parce que j'avais ultra chaud. Et maintenant, il y a un vent de dingue. Dès qu'il y aura une place, on ira se mettre là. Ça va être bien. Allez, petit onsen manju. Du coup, le petit pain sucré cuit à la vapeur. On en a pris 4, du coup deux sortes, enfin deux blancs, deux marrons, et tout ça c'est pour Mathieu. Il y en a eu pour 670 yens, c'est ça? Voilà, donc 670 yens pour les 4, ce qui représente 1,12 euros pièce. Tu goûtes direct? Ouais, j'ai goûté le marron. Ah, c'est de la pâte de haricots rouges. Mm-hmm. Ah. Mais moi déjà, je suis pas fan de ça. C'est bon? Mm-hmm. Ouais. Bah oui, t'aimes beaucoup toi. Par contre, la pâte autour, le pain, il a l'air bon là. C'est bon? Mais il y a trop de pâtes. Tu peux nous croquer là-dedans direct? Ok. Mmh. Ah, il y a une différence? L'intérieur, c'est le même. C'est... Ah bon? C'est quoi ça alors? Du marron? De la pâte de... Non? C'est quoi? Il y a de haricots rouges et du marron. Ah, et tu préfères quoi? Haricots rouges et marron? Et la pâte autour? Elle a l'air vraiment bonne, la marron. Ils sont bonnes. Ok. Et regardez du coup la petite vue sympa en attendant. Bon allez, mange vite parce que moi aussi j'ai faim, je vais aller chercher mes œufs. Non, j'aime pas. Bah, je vais goûter. Oh, oui, je vais goûter, mais attends, je me lave les mains. C'est le petit tamago, onsen tamago, du coup l'œuf qui cuit dans les eaux d'ici. C'était 140 yens, c'est ça? C'est donc, ça. Donc 95 centimes à peu près. C'est trop mignon. On dirait qu'on va jouer à la dinette. Mais pourquoi il y a tout ça?
En fait, c'est pas un œuf dur. On est d'accord, j'aurais pas je ça. Je sais pas si c'est un œuf dur. Mon Dieu. Mais attends, il est cuit là? Je dois me le faire moi-même? Bah, et comment tu veux le faire? Je sais pas. Il est cuit, hein. Mais il est pas noir déjà. Tu as demandé Onsen Tamago? Oui. Aïe, 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 qu'est-ce que... Non, mais... Alors, d'après ce que j'ai vu sur une image, en fait, ils sont pas cuits durs, vraiment. Hein. Il est cru? Il est pas cru non plus. Parce que là, je pense que je suis censée le mettre pour le touiller dedans. Ouais, sûrement. Il n'y a pas quelqu'un qui en fait un, là? Non, personne. On va l'ouvrir, son œuf. Ben oui, mais ah, tu il, vois est qu'il est cuit. Mais non, il est cuit, regarde. Il serait cru, il coulerait. Non, mais il est pas... Chubby, regarde, il bouge, l'œuf. Ben, c'est comme ça. À tous les coups, il y a un poussin. Ah, t'imagines? Surprise. Mais moi, je pensais que c'était un œuf dur, noir. Non, pas du tout. Mais pourquoi... Ah non, l'œuf, il était sur ma manche. Mon Dieu, ça va sentir l'œuf partout. Oh là là. Tu sais que tu sens le gros blochon après une journée de marche. Oh, mais ça c'est des pieds. Bah en fait j'ose même pas le manger, c'est cru. Allez, comme tu m'as expliqué. Bon allez, vas-y, voilà. Hop. Voilà, tu fais ça, voilà. Et voilà. On est loin là. Quand même. Alors après, là, alors attends. Avec la sauce. Ouais, bah alors je sais pas où j'ai mis les... Ah bah si, elles sont là les affaires. Oh, bah attends, c'est déjà, puis il y a forcément ouverture facile. Attends, mais c'est normal que je trouve pas l'ouverture facile. On peut intérieurement mettre sur les jeans. Bah ouais, parce que... Ah, ça y est. Donc je mets ça. Hop là. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué œuf bouilli et pas œuf cuit. Eh oui. Regardez comme c'est choupinou. Attends, je vais quand même faire une photo. Tu dois mélanger après. Apparemment. Ah ouais, bah oui, oui. Attends, j'aurais dû goûter sans sauce. Mince. Ouais, c'est une sauce un peu sucrée. Mince, j'ai tout mélangé avant. Attends. Du coup, je suis pas sûre que ça apporte un autre goût, mais j'avais déjà la sauce. Mais c'est de l'œuf, c'est bon. Bah moi, j'adore l'œuf, alors... Et je devais vraiment touiller comme ça? Oui, parce que j'ai vu des gens faire, oui. Ah, donc t'as vu des gens qui avaient? Bah, j'ai vu des gens qui avaient une coupe, mais je sais pas ce qu'il y avait dedans. Ok, bon, bah alors attendez, je prends tout. Attends. Tac, tac. Hé eh. Qu'est-ce que t'as? J'avais un petit truc à pâte, sûrement. Un truc à pâte? Comme une insecte. Araignée... Alors, bah c'est bon, c'est un œuf avec une sauce un peu sucrée. Ok. Bon voilà. Mais au moins on a goûté les spécialités, c'est cool. Bah pour le prix vous êtes là, clairement. Goûter, c'est un œuf. Donc oui, bien sûr qu'il faut goûter la spécialité. C'est pas comme si c'était 50 euros et que c'était pas bon, tu vois. Non. Est-ce que t'en aurais pris deux? Non. Ok. Non. Pusatsu Tamago Farm. En fait c'est une boutique qui a une ferme d'œufs. Et avec ses œufs, elle fait absolument tous les produits qu'elle vend dans la boutique. Donc t'as des beignets, des glaces, des crèmes, des flans. Plein de sortes de gâteaux, ses œufs, elle vend ses œufs. Et donc Mathieu s'est pris. C'est quoi? Je vois, c'est un petit flan. Un petit flan, ok. Un beignet. Enfin, une pâtisserie quoi. Mais dedans, il n'y a rien, hein. Non? Je ne sais pas. Moi, c'est un. J'ai oublié le nom, c'est pas un baon que ça s'appelle? Mais c'est au porc. En fait, c'est un pain cuit vapeur avec du porc dedans. On en a eu pour 995 yens, soit 6,666 €. Oui, 6,666 €. Et avec ce petit bain. Bon appétit. Installé dans le petit bain de pied. Du coup, l'eau, elle est à combien, tu crois? Elle est vraiment à 55? Ah, possible, oui. Ah ouais? D'accord. Et ça fait du bien. Oh là là. Alors il est 14h30, on s'est bien relaxé, ça faisait du bien, les pieds au chaud. Et là il y a un soleil mais de dingue, ça me brûlait les cuisses. Il fait que 18 entre guillemets, mais on est le 2 novembre, enfin, c'est ultra ultra agréable. Bref, là on attend devant ce bâtiment pour assister au Yumoni. Dans ce bâtiment, il y a les employés de l'onsen qui plongent et retournent des planches en bois dans l'eau au rythme de chants folkloriques afin de refroidir l'eau grâce au mouvement. Donc on va y assister. C'est 700 yens par personne, donc 4,70 € environ. À l'heure actuelle, mais vérifiez quand vous venez, on ne sait jamais si ça change, mais il y a 6 représentations. Donc il faut y être à 9h pour les 3 représentations du matin pour prendre un ticket. Ou comme nous l'après-midi, c'est à 15h pour les séances de 15h30, 16h et 16h30 et ça dure une demi-heure. Voilà. Et les tickets se prennent juste ici. Allez, on y va.
vous montre déjà l'installation. Ok. On est au premier rang et ça commence dans une demi-heure. Bon, franchement, si vous venez là, ça vaut le coup parce que la manipulation est très intéressante. Après, franchement, en fait, c'est pas une demi-heure, c'est 20 minutes. Et sur les 20 minutes, ils parlent un quart d'heure. Vraiment. Et surtout, les 12-13 premières minutes, elles sont tuantes. On comprend rien, ça débite en japonais, en japonais, en japonais, en japonais. On allait dormir tous les deux. Ils ont failli me perdre. Mais la manipulation, elle est très sympa à faire. Et oui. Pour 4 euros et quelques, allez-y. Après, c'est une fois à faire, pas plusieurs. Elle a posé la question. Aux gens, c'était à combien de fois qu'ils étaient venus? Ouais. Il y en a, ils sont venus là 3 fois et plus. Après, j'avoue, si je reviens dans 6 ou 7 ans dans la ville, ça se trouve, ouais, okay, je le ferai, okay. Tu vois. Je voulais revenir quand même sur quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, le chemin qui nous a fait prendre pour arriver au centre-ville, qu'on a fait 8 fois tout le tour sauf le centre-ville. Et bien, pour la gare, tout à l'heure, il nous a fait passer par là, une pente comme ça, ok, et des zigzags par là-bas. Vous savez où est l'hôtel? Juste là. Juste là. Non mais il faut longer quand juste même. Juste là. Il est pas juste là au coin. Ah ouais. Dans cette rue là, vous voyez où est le bus qui vient de partir? À droite, et notre hôtel est juste là. Et les Google nous a fait ça, serpentin dans des descentes comme ça. Au moins t'as visité la c'est ville. C'est n'importe quoi. Regardez ça, c'est aussi pour un petit bain de pied. Voilà, mis à disposition partout comme ça dans la ville. C'est cool hein. Demain, en attendant le bus, s'il a du retard. Et en fait, on va voir pour partir plus tôt, en fait, demain. Comme ça, on aura beaucoup plus de temps de pause avant de prendre le Shinkansen. Sinon, ça nous faisait un quart d'heure d'attente. Là, on aura 1h30, ce qui est beaucoup. Mais au moins, on pourra manger. Le Shinkansen, ah là, c'est fini. Ah là, c'est fini. On ne peut pas... Non, c'est fini. C'est vraiment fini. Là, en plus, c'est la Pampa, donc c'est les... Si t'as pas de bus là, c'en est une heure après, mais ça décale tous les trains après qui ne coïncident pas du tout. Après, on est coincé ici en fait. On n'ira pas à notre destination finale. Pour ceux que ça intéresse, bien que peut-être d'ici là ça aura changé, regardez. Arrêtez sur un MA, vous faites un screenshot, mais je pense que vous pouvez trouver ça sur internet parce que ces horaires là, je les avais. Mais en fait, la fiche est très très bien faite parce que regardez, là, Kusatsu Onsen, vous prenez le bus. Donc ce sont les horaires de bus pour repartir, hein, pas pour aller, pour repartir de Kusatsu. Donc vous voyez, il n'y en a pas énormément. Mais par exemple, nous. Là, on va prendre, de base, on va prendre celui de 10h20, on va avancer d'une heure pour être large. Donc, on va prendre celui de 9h20.
Et j'avais déjà le trajet, mais ça confirme que c'est exactement ça. On va arriver à cette gare-là avec le train JR, avec le bus JR à 9h48. Puis, on prendra un train JR à 10h08, exactement à cette station, c'est ce que j'avais noté. Et on arrivera en fait au terminal du train à Takasaki à 11h35, c'est exactement ce qu'on a noté. Et donc après, notre Shinkansen est à 13h, donc ça nous laissera 1h30 de marge. Donc on pourra se poser, manger et on ne sera pas dans le stress. Parce que l'autre, ça ne nous laisse que 10 minutes. Alors voilà, parce que l'autre, ça laissait un quart d'heure. Le souci, c'est que un quart d'heure, c'est largement bon. Mais avant ça, l'autre train qu'on prenait, ça laissait aussi un quart d'heure. Et l'autre d'avant, 2 minutes. 2 minutes en sachant qu'on ne connaît pas la gare, donc on ne sait pas si c'est juste en face le train ou s'il fallait prendre des marches et redescendre. Et donc là, non, on va être dans le stress. Donc nous, demain, vous savez déjà qu'on part à 9h20 là et on arrive à 11h35 à Takasaki, mais après, vous ne savez pas où on va parce que ça, ça c'est rien. Ça, c'est le début. Hein. On a encore 6 ou 7 fois ça à faire hein, demain. Vous vous rendez pas compte? Oh là là. On dit à l'heure qu'on arrive demain encore. Demain, on arrive vers 22h. Ah, 22h30. Mais c'était pas voulu. On devait arriver à 18h, mais comme c'est le week-end et les Japonais partent beaucoup là-bas, surtout que là, ça va être la période de Momiji, on s'est fait avoir et donc il n'y a pas les trains qu'on voulait. Il n'y avait plus de place. Si, il y avait des places dans les wagons normaux, si je puis dire, puis en green class. Pourquoi j'ai green class? Si, c'est green class ou green car? Green car. Mais au prix où ça a coûté la green car, ça serait dommage de prendre les places normales. Quoi? Demain, c'est en effet le début du week-end, même si c'est que vendredi. Mais c'est surtout que demain, on est le 3 novembre, c'est jour férié au Japon. Oui, regardez, elle est toute petite. Hein. Regardez comme elle est mignonne. Là, vous avez une salle d'attente. Enfin, une salle d'attente. Une salle d'attente. Vous avez à boire, à manger. Et pour prendre les trains, c'est là-haut. Par contre, on n'a pas vu d'escalator et on n'a pas vu d'ascenseur, alors attention. Oh, non, ok, attendez, je dis une bêtise, c'est vrai. Vous avez les escalators pour monter, mais au pire, pour descendre, ne faites pas comme nous avec les valises. En fait, quand vous arrivez avec le bus en haut, on vous dit exit de prendre les marches. Non, vous n'êtes pas obligé de prendre les marches, vous restez là où il y a les bus et vous contournez en fait la station et vous arrivez dans la rue. Donc, suivez pas forcément les panneaux exit si vous avez des valises. Tu prends quoi? Une boisson. Tu prends quoi, hein? Je vais goûter ce Fanta. Ah oui, bah ouais, oh oui, vas-y. Il y a autre tu chose une boisson, ici C'est vraiment de l'eau de... De l'eau de montagne. Non, écoute, non. Ça, c'est un chocolat chaud? Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu te prends encore? Qu'est-ce que tu prends? Mais rien. Non, tu te prends rien. Ah, on peut pas payer avec la Suica, tiens. Aussi. Non. Ah oui, pardon, m'écoutez pas. Pardon, bah oui. Regardez toutes les cartes. Au fait, Suica, Passmo, c'est pareil, mais regardez tout ce qu'il y a. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction des régions, chacun a la sienne. Par exemple, dans la région de Tokyo, ça va être la Suica. Dans la région... J'oublie où. Quand on était à Kyoto, c'était quoi? C'était pas la Kitaka? Ah non, ok. Je crois. Mais c'est pareil, hein. C'est exactement pareil, vous inquiétez pas. J'en profite pour vous dire... Non, attends, parce que j'ai jamais dit... En plus du côté pratique, la carte pour passer par exemple les métros, ça vous fait des réductions. C'est très minime, hein, c'est quelques centimes, mais quand vous achetez un ticket à part ou alors quand vous passez votre carte, ça vous reviendra moins cher avec la carte. C'est des centimes, d'accord, mais bon, c'est toujours ça. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une boisson? Non, j'en veux pas. Ok, bah, je vais en prendre une deuxième alors. D'accord. Tu prends quoi? Un chocolat chaud. Elle brille. Ouais, celle-là, elle est belle. Hein. Il y a des nouvelles pièces de 500 yens. Et il y a plein de distributeurs et de commerçants qui ne les prennent pas, qui ne les acceptent pas. Pourquoi? Si vous le savez, dites-nous. Bon, ma caméra l'a coupée. Alors, on se retrouve dans la chambre pour le room tour. On vient d'avoir la chambre. Alors, bon, on vient d'avoir. On avait déjà les clés, donc on est montré direct. Ouais, c'est ça. Donc, la chambre, on l'a eue à 86€ la nuit. Je sais pas, elle doit faire 22, 23 mètres carrés. Je sais pas trop. En fait, j'avais noté, mais je sais plus. Je sais plus, ouais, bon. Donc, quand on rentre, petit coffre-fort, de quoi se faire thé, café. Ça, c'est les clés. ses cheveux, petit frigo. Là, ce sont les petits paniers. C'est ultra mignon. Avec une serviette, du coup, les serviettes blanches, c'est pour s'essuyer les pieds quand on sort des bains de pieds. Et puis, la marron, quand on va au onsen. Ils sont ultra mignons. Ça, c'est petit haut. Ah mais... Oh non, il donne aussi une polaire. Moi qui pensais ce soir sortir mon écharpe, gants... Non, c'était un peu froid. Génial, c'est génial.
J'adore. Oui, parce qu'encore une fois, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le soir, tout le monde met ça en fait dehors. Il y avait déjà des gens comme ça. Le lit. Voilà les yukata. Du coup, on peut s'habiller comme ça en fait. Vous mettez ça, la ceinture autour, et après ça, ça vous tient bien chaud. Et puis, oh, c'est génial. Voilà, bon, table de nuit, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est sommaire, hein. Petite table, télé, chaise. On donne sur la route, je pense. Oui. Et un balcon, c'est chouette. T'as vu ? C'est chez des gens, non ? Bon, salon fait comme une véranda, non ? Ah, c'est peut-être une véranda, ça, d'accord, mais c'est pas un salon. Ensuite, tout simple, hein, toilette, lavabo et baignoire ou douche. Et voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, simple, mais efficace. Pour une nuit, ça va être très très bien. Parce qu'en fait, voilà, on a changé nos plans, on s'est dit, ok, comment on vient là ? On va prendre un hôtel vraiment, vraiment, vraiment pas cher, vraiment pas cher. Il y en avait des très beaux, ouais, encore très beaux, mais très très chers autour du bassin principal. Bon, je pensais pas déjà qu'on profiterait autant de la ville. Non, tu vois, on a vraiment pris notre temps. Hein. Ah, mais je vous jure que là, on est à 2 minutes à pied de la gare de la station de train et du centre où on vous a montré, pas les trains, les bus, il n'y a pas de train qui sont là. 2 minutes aussi. Hein. Et 2 minutes, vraiment. Vraiment, vraiment, donc vraiment très bien. Si vous cherchez un hôtel pas trop cher et ultra bien situé, et c'est ultra propre, il n'y a pas à dire, propre. Ultra propre, 85€ la nuit. Après, honnêtement, je le dis franchement, je pense qu'il y a peut-être une personne qui pourrait avoir l'idée de venir ici, dans celles qui vont nous regarder. Oh. C'est assez loin, c'est assez éloigné. C'est assez loin, mais ça vaut le coup. Franchement, pour moi, ça vaut le coup. Mais si tu viens une première fois au Japon, tu viens pas forcément ici. Sauf si t'as un coup de cœur et que t'en as rien à faire en fait de Kyoto et Osaka, hein, franchement. Oui, mais un premier voyage au Japon, tu vas quand même faire Osaka, tu vas quand même faire Kyoto. Oui, mais il y en a qui n'en ont rien à faire et qui veulent déjà partir. En tout cas, sachez que 95% des touristes qui sont là, ce sont des touristes japonais. Ah oui, oui, C'est pas mal. Attention que les autres touristes qui sont, je veux dire, comme nous. Des Français. C'est des Français. Oui. En fait, j'ai croisé un couple de Français. Moi, trois groupes de Français, dont le couple que tu parles. Ah, d'accord. Okay. Bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc là, il est 16h, peut-être 16h30. On va se relaxer, tranquille, pépère. Et après, on sortira avec nos affaires et tout. Ah, mais non, on a le droit d'aller manger comme ça au restaurant. Au restaurant, je pense. Je regarderai des gens passer si on peut manger comme ça. Sinon, on s'habillera, tant pis. Au pire, c'est à 2 minutes. On revient, on se change et on ira faire un petit tour de nuit comme tout le monde avec ses tenues. Ça, voilà. Ça veut dire homme. Et femme ? Non, peut-être pas du tout. Eh bien, tout à l'heure, on vous reprend quand on sort. Ah, non, et quand vous rentrez, dès que vous rentrez dans l'hôtel, avant même de passer, enfin, vous rentrez dans un premier sas, vous enlevez déjà vos chaussures, et il y a des petits numéros de chambre, donc vous mettez vos chaussures au numéro de chambre qui correspond, et ensuite vous passez la deuxième porte, et il y a plein de chaussons comme ça qui vous attendent. Bon, c'est bête, mais c'est sympa, j'aime bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 19h30, je suis KO, j'ai jamais eu de ça du voyage, je me suis reposée, j'ai vraiment dormi, j'étais là, franchement, s'il fallait pas sortir manger, mais je faisais ma nuit, quoi, je suis plus là, je suis vraiment ailleurs, mais bref, regardez, donc c'est ce que je vous disais, c'est ultra beau, bon, là par contre, il fait 9 degrés, alors on a sorti écharpe. Je voulais aussi mettre mes gants et le bonnet, Mathieu m'a dit « Oh, c'est bon, abuse pas, hein, 9 degrés, il y a le petit pull Stitch de Noël, il y a 2 jours, c'était Halloween, là, je sors déjà les trucs de Noël, je ne perds pas de temps. » Regardez-moi ces éclairages comme c'est beau, et donc il y en a qui mettent bien les tenues du coup de l'hôtel. Voilà, non, j'étais pas me tuer, alors peut-être après, c'est vrai que l'hôtel, franchement, il a 20 secondes, les 20 secondes. Bon, en tout cas, mais là, ceux qui mettent les tenues, on l'air d'avoir un petit peu froid quand même. C'est surtout aux pieds, parce qu'il y en a qui mettent même pas de chaussettes hautes, et là tu fais « waouh, waouh, waouh ». Allez, là, on va contourner par ici. Pour aller manger. En fait, j'ai l'impression que ça sent plus les yeux le soir. Là ce soir. Ouais. Parce que comme il fait froid, les vapeurs remontent. Peut-être. Elle se couvre le nez avec son écharpe à cause des odeurs. Tu t'es couvert le nez pour les odeurs ou pour le froid à un moment donné ? Non, pour les odeurs. Je me sens pas bien en fait. Ah. Je pense que c'est la fatigue. Bon, on s'est installé à table. Du coup, un petit yakiniku, c'est-à-dire de la viande grillée. Donc là, il nous a amené les charbons, après, il va nous mettre la grille. Et c'est parti. On commence par une petite bière à 350 yens, donc... 2,30€. Santé. Et ça réchauffe bien. Elle a l'air très très claire. Elle est... C'est une pisse.
Ce restaurant fait aussi à emporter. Et il y avait beaucoup de monde qui attendait dehors pour emporter. Mais bizarrement, personne dans le resto. Sachez que nous, on avait la flemme de changer, mais vous pouvez venir habiller avec les tenues de l'hôtel, là, les Yukata, dans les restaurants. Hein. Vous pouvez rentrer dedans. Ah oui, là, c'est pour les autres. Allez, c'est arrivé. Donc, on est parti sur d'abord un set avec du bœuf sans os. Du coup, le set est à 1500 yens, soit 10 euros. Regardez les pièces de bœuf comme elles ont l'air délicieuses. Le set est accompagné de riz, de légumes et d'une soupe miso. Et ensuite, on a pris pour goûter une partie qui est dans les coups. Et ça, c'est à... Ça, c'est à 1050 yens. Et donc, ça fait 7 euros. Voilà. Bien évidemment, on vous montre tout ça. Bon appétit. Oh là 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 là. Ça c'était pas assez. Hop. Deuxième round, en fait on a repris du bœuf du coup boneless. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a que 1 euro de différence avec la viande qui est dans la partie du cou. Et alors, la partie du cou, elle est bonne, mais celle-là, elle est délicieuse. Elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus juteuse, beaucoup bien meilleure. Un peu grasse, mais vous avez deux sauces. Soit la sauce normale, soit du sel, ou alors même avec du citron. Voilà, donc Mathieu, elle a fait citron et sel. Et c'est vrai que c'est délicieux parce que ça aide à faire passer le gras, même avec le riz, là. Il n'en voulait pas, mais il m'a pris les 3 quarts, hein. C'est pour me remercier pour d'avoir eu les photos. Ah oui, je sais pas si on vous l'a dit, je lui ai enfin envoyé les photos. Ce n'est que justice. Mmh. Allez, on vous fait entendre un dernier. Et après, on coupe. Des fois, ça fait des flammes. C'est quand le gras, il coule dans les braises. Ouais, mais je voulais que ça fasse, là, mais... Eh ben tu vois, c'est pas assez gras. Oh la couleur, impressionnant. Regardez comme c'est beau. On a fini de manger en fait. Hein. Donc un peu moins de 5 millions, donc 30 euros. Mais c'était délicieux. Waouh. Et là vous avez un petit... Vous n'allez pas voir de nuit. Un petit pilier pour mettre votre appareil photo pour vous prendre en photo. C'était bien ça comme ambiance pour Halloween. C'est beau quand même. Hein. Alors, ça vaut le coup quand même de ce détour ou pas? Honnêtement, c'est petit empêché. Non, c'est pas mon surkiff, mais c'est très très joli. Par contre, ceux qui adorent faire des onsen, alors là oui, c'est une destination, je pense, à faire un détour. Bah moi, j'aime pas faire les onsen, ça me gêne pas, mais vous voyez, là, on en a pas fait, ça me... Voilà, je m'en fiche. Parce que Mathieu voulait pas trop, il m'en allait toute seule. Bon. J'aime pas être toute seule. Même si je l'aurais fait, t'aurais été toute seule. Non, il y en a plein qui sont publics, mixtes. Bon écoutez, on va se laisser là. On espère que cette journée vous aura plu. Demain on va pas vous montrer grand chose. Ah non, demain non. Ça va être transport. Vous savez, du bus, du train, du Shinkansen, du train, du bus, du métro. J'aime le Shinkansen. Voilà. On va vraiment faire tous les transports du matin au soir. Mais vraiment. Donc en fait, on va juste vous montrer du transport et le room tour. Si on a la force. Voilà. Allez, autre chose à rajouter ? Pas du tout. Ah, mais moi je peux que vous conseiller, j'adore. Et franchement, même si ça fait un petit périple pour arriver jusque là, encore, hein, au fait, vous pouvez prendre une voiture. Hein. Vous pouvez louer une voiture où il y a des bus qui vous emmènent direct, mais c'est plus long. Mais... Donc même si c'est un périple, moi franchement ça me gênerait pas du tout de revenir et même d'y passer 2 nuits, voire 3 nuits, vraiment prendre son temps, tu vois, tout découvrir, partir dans les petites ruelles, au mont, faire les onsen. Vraiment ouais, 2-3 nuits je crois que je prendrais. C'est ultra, ultra agréable. Pour une prochaine fois peut-être. Vraiment, vraiment. Et puis même sortir avec les tenues le soir, enfin ils ont tout ça. Regardez, biscuit douce, tac, 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 tac. C'est génial, franchement c'est génial. C'est magnifique, voilà. Bon, ça sent un peu l'œuf, mais c'est magnifique. Vas-y, voilà. Allez, on espère que cette journée vous aura plu et on vous dit à demain pour un long périple. Ça sera le plus long d'ailleurs du voyage. Heureusement, je sais pas comment c'est possible de faire plus. Et
Ouais, non. Non, ça sera le dernier long. Parce qu'il y a le retour après. Non, mais ça sera moins long. Ouais. Allez, à demain. À demain. Bisous.